Yo tout le monde, gamer gameuse, c'est Flouz. Comme t'as pu le voir au titre et miniature, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo avec une handcam cette fois-ci. Comme tu peux le voir, j'ai écouté vos avis dans les commentaires en me disant que la caméra était trop petite. Du coup, je voulais agrandir beaucoup plus. Cette fois-ci, on rec avec Streamlab OBS. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, comme tu as pu le voir dans le titre miniature, on va tester une nouvelle technique secrète. Cette fois-ci, on va jouer avec la Nakon. Pour ceux qui veulent savoir, elle est sans palette. Et du coup, les amis, je vous explique quelle est cette technique secrète. Elle se nomme Octopus Claw. C'est une technique très appréciée par les Américains en ce moment même et qui est très compliquée à gérer. Vous allez pouvoir voir de toute façon en box fight comment j'ai pu jouer avec les abonnés. J'ai énormément galéré, mais j'ai voulu tester ce nouveau type de contenu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois si vous aimez ça. Et au passage, les frérots, avant de vous laisser simplement avec la vidéo, je vais vous expliquer la technique, comment on peut la faire. Et au passage, merci à tous pour le soutien que vous venez sur la chaîne YouTube. Nous sommes bientôt aux 28 000 abonnés. Vous savez que c'est l'objectif de ce mois de janvier et on va le réussir. Et donc ça fait extrêmement plaisir. Au passage, dans cette vidéo, je vous demande un petit objectif de 200 likes comme d'habitude. Ça fait super plaisir si vous le faites comme d'abord. Vous gérez en ce moment même. Donc merci à vous. Au passage, n'hésitez vraiment pas à me demander un ami. Mon épique qui est YouTube Espace Flouz. Vous savez que ce week-end, session abonné avec vous en boss fight. Donc profitez et venez, ça me ferait extrêmement plaisir. Je parle avec vous tout le temps en plus. Donc c'est archi cool. Et du coup, allez les gars, on va pas plus perdre de temps. Je vous explique comment on va tester cette nouvelle technique là. Et après, je vous laisserai avec les gameplays. Bon visionnage. Alors du coup, les amis, comment ça se passe? Je vous montre simplement la manette. Du coup, on va jouer un Octopus Claw remixé. Du coup, je vous montre comment je vais jouer dans cette vidéo. Avec ma main gauche, vous allez pouvoir mettre votre joystick de gauche dans la paume de votre main. Vous allez devoir jouer comme ça, celui-ci, celui-ci, avec celui-là. Du coup, ça va se jouer comme ça. Votre joystick de droit va devoir jouer avec la main droite. Vous allez faire comme ça. Les deux là aussi. Et au passage, vous pouvez faire soit comme ça, en jouant bien au claw, ou soit vous pouvez juste gérer comme ça. Hein. Et du coup, voilà. C'est comme ça qu'on va jouer dans la vidéo tranquillement. Du coup, en fait, faut savoir que pourquoi je l'ai remixé. La vraie version du Octopus Claw, vous allez devoir simplement edit avec le pavé tactile. Et au passage, votre main droite va devoir gérer les deux joysticks là, de la Nakon. Du coup, ça ferait comme ça. Et du coup, bah voilà comment ça ferait hein, la caméra. Hein. Voilà comment ça joue, et les deux là, bah, il faudra les tourner avec la paume de la main, ce qui est super compliqué. Du coup, voilà pour tous ceux qui veulent savoir comment tester, ça fait super plaisir. Et sur ce, bah, les gars, je vous souhaite à tous un très bon visionnage et bonne vidéo à tous. Never wait, never wait, never wait, never wait. Yeah, every day I pray to God that I make it through. I feel like I killed this beat already, I just got déjà vu. I'm still in college, trying to get poppin', I don't have another option. It's like I'm in Gotham, asking Batman, would he ever start robbing? I know that I'm doing, that I'm moving, that I'm making the music, I'm pursuing, that I'm picking and choosing, cause I'm not confusing what I do, and I'm living and moving, that I'm picking and moving, different views, and I'll never be losing this. If I'm another steps, no ladder, I do it right now, and I'll have it. I know I just dropped my album, moving on to a new chapter, I'll never wait. I look at my life, I look at my dreams, I won't hesitate. Since I was 13, I always believed, cause I never wait. I've been so patient, used to be waiting, now I can say, I'll never wait, never wait, never wait, never wait. Why would I waste my time trying to be somebody else when I don't even know myself and I don't even know the reason why I couldn't help? Why do I hate all the people that love me, love all the people that hurt me? Don't know where my mind's at, don't know where to find that. Give me my time back, I will never sign that. Better go rewind that, sit in the climb back, put the two together and I might have to combine that. The finish line might be the start though, I feel so dumb on my smartphone. I wanna know what it's like to be happy, I know I should focus more on my family. I just really hope that you understand me, hope you understand me, cause I'll never wait. I look at my life, I look at my dreams, I won't hesitate. Since I was 13, I always believed, cause I never wait. I've been so patient, used to be waiting, now I can say, I'll never wait, never wait, never wait, never wait. Woo!
Putain, mais ça m'énerve. Comment on fait encore un retour lobby, quoi? Mali! Yeah, every day I pray to God that I make it through. I feel like I killed this beat already. I just got deja vu. I'm still in college, trying to get poppin'. I don't have another option. It's like I'm in Gotham, asking Batman, would he ever start robbing? I know that I'm doing it, I'm moving it, I'm making the music and pursuing it. I'm picking and choosing, cause I'm not confusing what I do and I'm living and moving it. I'm taking a move with different views and I'll never be losing this. I climb another step, no ladder. I do it right now, and I'm happy. Comment la chance d'avoir du chien Why do I hate all the people that love me? Love all the people that hurt me. Don't know where my mind's at, don't know where to find that. Give me my time back, I will never sign that. Better go rewind that, sit and decline that. Put it two together and I might have to combine that. The finish line might be the start though. I feel so dumb on my smartphone. I wanna know what it's like to be happy. I know I should focus more on my family. I just really hope that you understand me. Hope you understand me, cause I'll never wait. Allez, Octopus Clos, ma gueule.